que tu peux permettre que ta meilleure amie s'assoie sur les cuisses de ton mec? Ne vous inquiétez même pas, j'ai tout est clair déjà. Laissez-moi les affaires que c'est mon gars, c'est mon gars à moi. Mais c'est ma femme, c'est pas sa femme. Wow, c'est mes filles même de son père. Même mon père. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Relous 237. Pour ceux qui nous découvrent, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et surtout, laissez-nous un petit avis en commentaire. Et n'oubliez pas le petit bouton bleu. Merci, à plus. Salut Mola. Salut. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ah, au calme. D'accord, j'ai une petite question pour toi, tu es prêt? Très okay. Bien. Alors, tu as un ami qui est comme ton frère, ton meilleur ami. Quoi. Évidemment, ouais. Évidemment. Est-ce que tu permettrais que ta go s'asseye sur les cuisses de ton meilleur ami? Hein? Ouais, que ta go, non, que tu y as Mola, que ça soit sur les cuisses de ton meilleur ami. Qu'elle est s'asseye sur les cuisses de ton meilleur ami. Mais c'est ma femme, c'est pas sa femme. Ya, yeah, Kadia! La poussière est sortie. Non, je soufflais la poussière là, c'est sorti normal. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et pourquoi? Il n'y a pas la solidarité. Solidarité là, c'est juste. Non, il n'y a pas de chaise là, elle veut s'asseoir et puis tu dis bon. Il propose qu'elle s'asseye sur ses cuisses là. Non, la solidarité là, vraiment c'est pas là-bas dedans. Non, dans la femme, il n'y a pas de solidarité. Ça reste. Tu as ta part, j'ai ma part. C'est un peu comme ça. Est-ce que tu peux permettre que ta meilleure amie s'assoie sur les cuisses de ton mec? Non. Pourquoi? Parce que je ne trouve pas de raison à ce qu'elle s'asseye sur les cuisses de mon mec. Il n'y a pas de chaise et puis il propose qu'elle s'asseye sur ses cuisses. Hein? Non, je me lève et elle s'assoit sur ma chaise, je m'assois sur les cuisses de mon mec. Je voulais seulement aider. Tu voulais aider qui? C'est lui qui est en difficulté. Et tu peux être fatigué, tu peux être envie de t'asseoir normalement. Tu peux être envie de t'asseoir normalement. Non. Je ne permets pas ça. Diable, sur le mur, il finit par entrer. Tu n'as pas confiance en ta meilleure amie? C'est pas que j'ai pas confiance en elle, mais on n'a pas tenté le diable. Mais tu dois avoir au moins confiance en ton mec là. J'ai confiance en mon mec totalement, mais tout peut se passer. On ne sait jamais. On ne sait jamais, mais je pense que. Tu n'as jamais confiance à quelqu'un totalement. Ah, il y a quand même un petit doute, un petit soupçon là. La confiance n'exclut pas la méfiance. Ah, tu as confiance, mais tu te méfies d'elle. Justement. Et de ton mec aussi. Bien sûr. Est-ce que tu serais d'accord que ta meilleure amie, n'est-ce pas, s'asseye sur les pieds de ton gars? Non, je ne serais pas d'accord. Pourquoi? Mais la jalousie, je suis très jalouse, je ne peux pas accepter ça. Ah, même si c'est un BLA comme ta soeur? Non, je ne peux pas accepter ça. Est-ce que ça dit que tu n'as pas confiance en elle? C'est pas ça, c'est juste que non, je ne peux pas. Et toi? Moi, je ne peux pas. Tu ne peux pas? Non. Pourquoi alors? Pareil que la jalousie. La jalousie, oh. Gars-toi et quoi? Est-ce que tu peux permettre que ta go s'asseye sur les pieds de ton meilleur ami? Que ça a commencé comme un flow. Tant que c'est le mangue. Touche. Mais mon frère, c'est ton combi là. Vous êtes en boîte. Quand tu go en boîte là, quand elle coule souvent avec ton boy là, avec ton combi là, elle peut s'asseoir aussi non? Non, jamais. Même c'est mon frère. Mais tu peux accepter qu'il colle avec ta go? Si je surveille. Yeah, oh! Et c'est tant que. Boum boum! Ah, et toi, maman? Ça peut même pas passer dans ma tête. Hein. J'ai hâte que moi, j'ai un film impossible. Ça peut même pas. Tu risques qu'on fait très mal. Ça va commencer comment? Je ne peux pas. Hey! Je ne peux pas. Non. Non, ça gâte. Non, ça gâte. Hey, je ne peux pas. Ma meilleure amie. C'est pas question de confiance. C'est que c'est mon gars, c'est d'abord mon gars. Je ne peux pas accepter. Donc, il est pour moi. Mais il t'aime de tout son cœur, il t'aime. On ne sait jamais. Dans la vie, on ne sait plus qui est qui. On ne sait jamais. Laissez-moi les affaires que c'est mon gars. C'est mon gars à moi. Ma copine, c'est aussi ma copine. Mais il y a les limites. Chacun son poste. Quand tu viens acheter le problème qui ne te concerne pas, tu risques de couper très mal. On sent les fans de Dadju là. Il n'y a pas de problème. allez, fais-nous un petit acapella alors de Dadju qui. Allez, chante. Oh. Est-ce que tu es pour que ta copine s'asseye sur les cuisses de ton meilleur ami? Non, je ne suis pas pour. Et pourquoi? Ça présente mal déjà. Ouais, moi, je suis un enfant de Dieu. Et voir le genre, une fille que tu veux épouser s'asseoir sur les cuisses de ton meilleur ami, ça ne présente pas bien. L'homme n'est pas fait en bois. Il peut être excité. Tu n'as pas confiance en ta copine? C'est pas question de confiance. C'est que l'homme, c'est la chair. Ça peut faillir à tout moment. Il y a la familiarité qui apparaît. Exactement.
Donc, il faut éviter certains risques inutiles. Donc pour toi, il faut être méfiant. Bien sûr, bien sûr. Méfiant de tout le monde. À 100%. Même ton frère. Exactement, même mon père. Ton père. Exactement. Waouh, ouais. Wow, il te méfie même de son père. Même mon père. Petit père, je saute, petit. Petit. Que tu serais pour que ta meilleure amie, ou alors que ta meilleure amie s'asseye sur les pieds de lui qui est supposé être ton copain. Non, en fait, je ne peux pas tolérer ce genre de comportement. Et toi? Non, je ne tolérerai pas cela. Il y a le contrat dans une relation. Donc, ce qui veut dire que quand on est en relation, il y a les limites. Donc, je ne vois pas en quoi ce sera nécessaire que ma copine s'asseye sur les pieds de mon meilleur ami. Pour moi, ça ne sonne pas bien dans ma tête. C'est un peu paradoxal, en fait. Mais si c'est genre... C'est-à-dire comme la famille, quoi. Donc, elle est un peu, c'est un peu comme frère et sœur, quoi. Ah, on ne sait jamais, même si c'est dire comme la famille, mais c'est pas la famille. Donc, à un moment donné, ça peut toujours mal tourner. Ça n'est pas parce que vous entendez absolument bien que ta petite amie, ton meilleur ami s'entend absolument bien, qu'elle va trouver ou juger bien de s'asseoir sur ses cuisses, sur ses pieds, surtout en présence de son petit ami. Pour moi, c'est une exaction terrible qu'il ne faut pas faire. Okay. Allez, merci beaucoup. Vos réponses étaient vraiment satisfaisantes. Merci, c'était tout. Ok, merci. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère très sincèrement que vous avez aimé. Pour ceux qui nous découvrent, comme d'habitude, cliquez sur la cloche de notification afin bien sûr vous être abonné. Et surtout, lâchez-nous un petit avis en commentaire. C'était tout. Merci.